Bonjour et bienvenue sur Forum Micro Zizala. C'est toujours un plaisir pour moi avec nous pour partager des vidéos avec vous. Capitaine, je dis à nous tourner à cause des plusieurs mois qui ont nous, Micro, comment moi qui créé un compte PayPal pendant que moi à vivre Haïti, pendant que moi localisé en Haïti. Je dis à ça que nous allons parler ensemble pour nous trouver A à Z comment on capable créer un compte PayPal pendant que ou en Haïti. Il y a trois possibilités ou créer un compte PayPal pour nous en Haïti. C'est simple, nous allons faire ensemble là. Nous allons faire ça ensemble. Ou qu'à utiliser computer, ou qu'à utiliser téléphone ou moi utiliser computer pour moi faire ça. Moi pas montrer nous comment on va utiliser ce computer. Mais ou même qu'à utiliser même téléphone qui n'a mon entour pour faire. Nous pas montrer comment. Mais avant de commencer, pas oublier après de regarder les vidéos là, ou qu'à cliquer sur ce bouton là pour abonner ou cliquer sur le bouton s'abonner là qui est rouge là et pour cliquer sur cette cloche là. Toute vidéo que nous likez pour qu'on puisse parler de nouveaux feuilletons qui va sortir dans un bel feuilleton qui parle vraiment apprécié et c'est un bien plaisir pour nous partager feuilleton ça avec vous. Merci avec vous même qui déjà abonné, pas oublier like vidéo à tout si vous supportez travail là. Déjà bonjour encore une fois et bienvenue sur Micro Design. Je dis là nous pouvons parler de PayPal. Comment qu'on peut couper PayPal? Qui avantage, qui désavantage et pour qui sont doués utiliser PayPal? Comment qu'on crée un compte PayPal? Pour qui sont doués créer un compte PayPal? Et tout, nous pouvons parler de tout, comment on peut faire compte avec PayPal, comment on peut connecter compte PayPal avec banque, comment on peut déconnecter, pour qu'ils soient déconnectés, pour qu'ils soient déconnectés, qu'il est tout, ou même si vous voulez, est-ce qu'on peut utiliser comme qu'est-ce qu'on peut parler pour acheter sans que vous payiez compte banque, c'est tout ça que nous pouvons parler aujourd'hui. Assurez-vous que vous êtes bien, allez dans le fichier de la Kaiwan, ou bien allez, pour un petit globe, pour un petit juchita, nous pouvons parler et nous pouvons jouer une cause. Comment on peut créer un compte PayPal sans problème. Déjà, nous parlons de Micro Design, connu sur nous. Micro Design est vraiment c'est John Micro. Deuxième, pour partager en pile et plus barré. On a pour commencer. Pour qu'on compte PayPal, il est très facile. On commence avec une possibilité. Par exemple, si vous avez IT, vous avez des difficultés pour accéder avec le site web PayPal là, et par quoi qui a des difficultés vraiment. Mais si vous avez que vous avez des inconvénients pour connecter avec website PayPal là, mais ils sont capables de faire très simple. Vous pouvez aller sur un navigateur que vous avez utilisé, qui c'est Chrome, ou bien qui c'est whatever, et un navigateur que vous avez utilisé. Vous pouvez aller sur lui, ou vous pouvez aller dans extension, ou vous pouvez aller dans manage extension, et vous pouvez aller dans là, et vous cliquer sur Open Chrome Web Store. Et vous cliquer sur lui, vous pouvez télécharger une extension pour capable changer la localisation que vous avez. Ou paraître dans l'autre pays. Et si actuellement là où en Haïti, moi-même en République Dominicaine, extension qui m'a utilisé, il pourrait dire que moins États-Unis. Pour ça tout, il pourrait dire que moins en République Dominicaine. C'est ou pas choisi quand on voulait et web blanc voulait ou cliquer oui. Une fois que web blanc lui-même dit que aux États-Unis, ou rapidement qu'à connecter avec cette parmi les plusieurs sites de streaming audio, vidéo, donc ou film qui pas disponible dans quelques jours. Par exemple, soit regarder les États-Unis des plusieurs chaînes de télévision que vous pas regarder online dans quel n'importe pays qui est seulement États-Unis. Mais pour faire cela, vous pouvez regarder les chaînes de télévision si vous voulez, vous devez utiliser une extension pour changer une zone que vous avez. Nous parlons dans la recherche, nous avons sélectionné l'extension et puis nous appliquer VPN. Une fois que nous choisissons VPN, ok, nous voilà là, nous gagnons ça, ok, qui ça fait tout, nous gagnons ça en tout, nous gagnons ça qui gagne 37 000 monde qui balle 4 étoiles, et puis nous gagnons ça tout, 6 000 monde, nous gagnons ça tout, ok, n'importe quoi, mais ça qui gagne plus monde qui vote pour lui, n'importe quoi, ça gagne 4 millions d'utilisateurs qui utilisent actuellement, nous gagnons 37 000 monde qui laissez un vote pour lui. N'a cliqué sur le bouton qui marque Add to Chrome. Ok. Check. Ok. N'a cliqué sur Add extension. Une fois que l'extension est ajoutée, l'apparaît là. Il n'est pas paraît bon ici, temps là, mais l'apparaît côté extension est dans ce bouton ça. On va juste cliquer sur extension. Ok. Comme extension, on a mis beaucoup de films download. Ok. Extension, nous allons aller mettre films download et ça, c'est une page de welcome. Ok. N'a cliqué sur bouton ça qui marque. Bouton ça claque, ma extension, ça c'est extension que je souhaite télécharger qui est le VPN. Extension ça que ça permet de faire lui-même. En pingler le WhatsApp, qui ça extension ça permet lui-même. Extension ça lui permet que vous changez localisation zone côtoyade à un autre.
Par exemple, si ma Haïti, moi changer de Haïti à République Dominicaine. On fait ça c'est pour mon tour. Si station rien pour contrôler gros site qui dit ma IP exactement pas fait parce que monde pas ouais IP machine mais si on fait aller dans ma IP après adresse machine actuellement qui bolier l'office de géolocalisation par l'adresse machine qui ba ou li actuellement il y a pour du il y a pour du pour Haïti mais l'on change dans extension qui va monter là il y a pour dire ou dans pays qu'on choisir comment choisir un pays avec extension ça là il est très simple et n'a choisi OK nous choisi n'a ouvert des fois commander pour créer un compte qui va obligatoire ou qu'à utiliser ça qui ou pas créer un compte mais pour s'ouvrir puis assurer si vous voulez créer un compte en clause que nous devons passer tout ça d'accord OK n'a choisi un pays qu'on choisit un pays n'a cliqué sur pays n'a choisi nous gagne un pays qui gratuit là qui c'est Germanie Roumanie nous gagne Singapour et nous gagnons United States. Ok, nous avons choisi les États-Unis. Comme on ne peut pas les États-Unis. Une fois que nous commençons à compter là, ça veut dire là, moi actuellement là, je ne suis pas en République Dominicaine encore. Là, adresse machine, moi, appareil que je vais utiliser actuellement là. Ou bien, on dit par appareil, on dit navigateur que je vais utiliser appareil connaître moi comme un utilisateur qui est en République Dominicaine. Il reconnaît moi comme un utilisateur qui est stable en United States. Est-ce qu'il comprend bien? Là, continuez. Une fois qu'il passe par l'appareil comme ça pour vous, très simple, si vous configurez l'appareil comme ça, et sur mobile, là, simplement, il y a une petite modification qui fait au niveau des responsive. Par exemple, l'appareil de size, là. Ok? Il peut apparaître comme ça. Par exemple, là, il peut apparaître comme ça. Il peut apparaître comme ça pour vous. OK sur tablette tout l'appareil technologique c'est design hein, c'est format et c'est size et appareil qui n'est qui changer et format c'est temps mais c'est toujours même design là même bagarre là on a comment créer un compte dans le site moi même en espagnol m'a changé pour me dire en français pour nous comprendre OK là c'est moi même en français c'est n'amgaï là OK comment on peut ouvrir un compte comment on peut connecter pour ouvrir un compte, il est très facile. Vous cliquez sur le bouton ça qui c'est compte ouvert. Ça veut dire que vous avez des pièces. Mais si vous avez déjà un compte, vous allez commencer sur commencer la session. OK? Là, vous allez mettre le numéro de téléphone, le email, blablabla, et puis le suivant. OK, là, c'est pour enregistrer tout. Vous allez sur la page enregistrement. OK. On a pu commencer pour capter bien comprendre. On allez. Une fois que ce page, on va aller sous Abri Conta, nous allons aller sous en français pour qu'on comprenne plus bien. Ok, là, sous compte ouvert, on va aller ouvrir un compte, on va cliquer sur lui, nous en blanc. On va voir nous là, ok, là, nous sous page PayPal là. PayPal m'a dit est-ce que c'est deux comptes qui ont besoin de t'abonner? Il y a deux comptes PayPal. Comprenez bien, il y a deux comptes PayPal. Il y a deux types de comptes PayPal. Qui est sous le choisi et qui est sous le Disney? Il y a un compte PayPal qui est personnel. Et il y a un compte PayPal entreprise. Compte PayPal personnel lui-même, il permet que ou acheter et envoyer l'argent. Est-ce qu'on comprend bien? Compte PayPal personnel là, il permet que ou acheter et envoyer l'argent bah aux amis. Et qu'à recevoir l'argent tout non mais aux amis. Ça c'est compte PayPal personnel là. Mais compte PayPal entreprise, il permet que ou acheter ou recevoir ou envoyer. Et tout, il permet que vous vendre sur website ou application, whatever, ce côté que vous voulez vendre, il permet que vous vendre et par rapport avec PayPal, vous recevoir l'argent sur PayPal, tout ça qui est acheté sur site web, vous pouvez sur compte PayPal ou, et PayPal là lui-même, l'offre lui faire entrer, il parle qu'à vous comme ça, sur compte bancaire, etc. Et là, on va continuer. Qui compte PayPal qui ouvre, c'est ou pas choisir ça, il revient à vous-même. Mais compte PayPal, business là, il n'est pas trop compliqué pour créer tout, c'est toujours même détail, même information à suivre. On a seulement besoin de quelques détails qui sont venus comme type de machin, qui se jouent. Moi, j'ai deux comptes PayPal business et moi, j'ai deux comptes PayPal personnel. Deux comptes PayPal business, c'est les ma première affaire business que je fais en ligne et deux comptes PayPal personnel qui c'est un compte. Pour YouTube, moi, avec le bagage, on veut faire un dos, par exemple, je vais mettre des PayPal dans la description. Après, vous regardez les vidéos, ça va être très comprendre. Si vous voulez faire un don pour PayPal, ça va être très grand plaisir. Je vais mettre des PayPal là,
dans la description vidéo pour qu'on fasse un don sur PayPal. On continue. Nous avons un compte PayPal personnel là, nous avons dit acheter okay, sur des millions de sites web pour qu'on acheter sur plusieurs sites web. Et nous avons payé avec et, exact. Nous avons tout détail là, c'est comme ça que nous pouvons acheter. C'est même ça que tu dis nous là, nous sommes acheter, vendre, recevoir et envoyer. Non, nous sommes vendre, nous sommes acheter, recevoir, vendre. Non, acheter, recevoir et envoyer. PayPal Business Sense, sorry. Ou capable acheter, vendre, recevoir et envoyer en même temps. Mais il y a plus de fonctionnalités qu'on peut faire avec business là qui personnel là. Business là lui-même est vraiment vraiment intéressant. Ou pas comprendre c'est lorsque on a business et qu'on pas quel bon autre détail là-dedans, par exemple abonnement le mois, du monde qui abonne avec quoi PayPal le mois, non seulement chaque mois, même les monde n'a pas payé PayPal a pas comme là sous quoi PayPal parle là pour automatique il faut le voir. Par exemple, soit aller ou l'abonner avec et SoundCloud, soit aller avec SoundCloud ou après SoundCloud ou monter sur lui ou font abonnement le mois. Si que ou pas aller sur PayPal pour aller payer les mois arrivés, de vous gagner quoi que sur compte PayPal là, qui ça PayPal fait, il paye SoundCloud parce que c'est un abonnement que quoi. Si que tu gagnes quoi là sur compte bancaire et ou t'es connecté là avec PayPal ou, quoi le probable tout pour lui prendre quoi là pour voir ben ça on conserve tout. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez contacter eux, vous pouvez contacter SoundCloud pour tourner comme là-bas et puis annuler l'abonnement. Ou bien souffler tout, vous pouvez annuler l'abonnement sur compte SoundCloud. Même avec Music King, tout, sur Music King, vous pouvez abonnement le mois sur Music King pour poster musique ou sur Music King. Lorsque vous allez sur Music King, vous faites payer le plein mois Music King. Vous n'avez pas besoin de compte PayPal. Lorsque vous pouvez payer ou acheter plein abonnement Music King ou poster musique ou. On y a là chaque les mois arrivés des bouquets comme là sous compte PayPal ou PayPal qui pour transférer comme là automatique ben musique parce qu'on prend abonnement avec musique. C'est vraiment très simple et vraiment nice sur un compte entreprise, mais faut qu'on comprenne bien. Nous allons ouvrir un compte inscription gratuit, ouvrir un compte avec compte personnel, tous les deux comptes ça aussi gratuit. Ok, inscription personnelle qui sont bien besoin pour ouvrir un compte PayPal. Vous avez besoin d'une adresse email que vous pas de partager à personne. Vous pouvez partager l'adresse email là, mais vous pas de partager le mot de passe à l'adresse email à personne. Parce que si vous avez le mot de passe à l'adresse email là, vous avez accès à tout pour lui recevoir quoi vous pour lui transférer. On sait tout, vous ne pouvez pas utiliser le mot de passe email là, si vous avez le mot de passe pour PayPal, on sait tout, vous partager le mot de passe pour PayPal avec lui. On sait tout, vous pouvez utiliser pour faire n'importe quoi avec ce compte. Premier, on a besoin d'un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone. Regardez est-ce qu'il va accepter Haïti dans le numéro de téléphone. Regardez est-ce qu'il va accepter Haïti parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites. On suit. Il va accepter Dominicaine, c'est bien. Amérique, dans Amérique, nous avons supposé Haïti là. Dans Amérique, nous avons supposé Haïti. Dans Amérique, nous avons supposé Haïti. Malheureusement, il y a toujours PayPal, toujours pourquoi accepter PayPal. Ok? PayPal, sorry. Et PayPal, toujours pourquoi accepter Haïti dans le système là. Et pourquoi accepter le numéro Haïti. Mais possibilité, nous devons parler de nous. On me dit que si nous avons des difficultés avec le téléphone, non, mais comment on va faire ça? Nous connaissons 60% ou bien 70%, pourquoi pas 80%? Moun ka vive en Haïti, y a possibilité à qui on zami à l'échelle internationale. Ça veut dire, l'aime si y a possibilité on zami à l'échelle internationale. Ça veut dire, y'a qu'on zami soit ka vive en République Dominicaine, y'a qu'on zami soit ka vive aux États-Unis, la France, Canada, Pérou, etc. Ça veut dire, partout côté dans le monde, non, papa, je n'en gré, Haïti, c'est ça qui fait 10, 60, 70, et pourquoi pas 40% Haïtien ka vive en Haïti, y'a une famille, ou bien un zami ka vive en République Dominicaine, ou bien un pays étranger. Premier pas, ou bien je connais pour créer un compte PayPal dans ce sens, sans que vous n'ayez pas de numéro de téléphone, si vous avez Haïti, ou bien je contacter une dans un message qui est digne de confiance. Il n'y a pas faire un lien avec le numéro de téléphone que vous pouvez utiliser. PayPal besoin de numéro de téléphone ça, à moins que, attendez bien, PayPal besoin de numéro de téléphone ça, à moins que vous perdiez le mot de passe ou bien oublié. S'oublier mon passe-moi, PayPal qui peut vous faire un code confirmation sur le numéro de téléphone ça, pour le dire que
pour confirmer, pour qu'on récupérer code, ou bien pour qu'on récupérer et mot de passe ou non, pour qu'on connecte avec Pope Paloa. Elle dit, si on est si que, ou pas gagner une SIM, ou pas qu'on recevoir, en y encore, ou obligé, et, si vous perdez une SIM, ou pas qu'on récupérer une passe là, qu'on n'y a pas mis de mot de passe, qu'on a capté, et ou avec mot de passe en côté, une façon pour pas jamais oublier mot de passe. Tenez bien. Je veux nous comprendre bien. Ça veut dire que si vous créez un compte PayPal, oubliez votre passe, PayPal a demandé un numéro de téléphone ça pour être capable de confirmer que compte là libre. Si vous n'avez pas un téléphone, là, PayPal qui compose deux questions que vous pouvez configurer dans le compte PayPal, vous pouvez demander qui n'a pas chez PayPal, vous pouvez dire qui n'a pas l'école PayPal, vous pouvez écrire dans le compte PayPal là, si vous avez un passe là, mettez-le et puis si vous répondez bien, PayPal a bon accès pour changer mot de passe là. Des fois qu'on répond bien, il m'a donc quand même pour confirmer le numéro de téléphone là pour une façon de sécurité. Moi République Dominicaine n'a pas choisi République Dominicaine pour automatique. Moi même pas mettre un numéro de téléphone pour nous faire établir ensemble. Par exemple, moi mettre un numéro de téléphone pas bien. Une fois que mon met numéro de téléphone là pour ou mettre mon téléphone zamien par exemple moi mettez moi relé Marco me dit Marco m'a créé un compte PayPal me google avec numéro de téléphone là est-ce que vous compte PayPal qui sur numéro de téléphone déjà non Marco non John va gagner numéro qui sur PayPal moi et bien Marco mais ça fait moi m'a mettre numéro de téléphone moi et puis PayPal a fait un code confirmation bah où on voit et des fois PayPal compte pas même l'importance de code confirmation que sous mettre faux numéro ça n'est pas conseillé mais quand bien la fait un code confirmation bah où pour dire numéro ça lui ajouter sur compte PayPal là. Compte ça on va juste mettre pour confirmer compte PayPal là. Une fois qu'on confirme compte PayPal là, déjà ou bien compte PayPal. On continue. Là, mettez 809-444-759-15. Si vous voulez éviter de contacter numéro A, blablabla, pour poser question, sur ce bon numéro, c'est le numéro personnel par contacter numéro A pour nous poser question. Vous avez dit, nous faisons ça souvent. Nous écrit sur numéro à ce que trois mon a écrit par jour ça vient cause moi même pas que temps faire réponse parce que moi pas que temps moi sur un capteur qui c'est dimension on comprend et dit nous comprend c'est dit me carré temps répondre quelques messages des amis qui te contacter vraiment pour t'aider au créer compte PayPal moi t'es d'accord avec eux et moi t'ai aidé au créer un compte PayPal moi quand même t'ai créé un compte PayPal pour on a décrit c'est compte PayPal pour cinq amis c'est premiers amis qui te contacter là décrit c'est compte PayPal la vidéo ça là c'est premier monde qui partage vidéo là, qui abonne et qui pas qui like là, qui fait plus belle commentaire, qui fait plus belle commentaire, m'a créé 5 comptes PayPal encore. C'est premier monde qui fait plus belle commentaire et qui partage vidéo là, qui abonne, m'a fait 5 comptes PayPal pour 5 premiers monde. On va vérifier 5 commentaires. On allez, m'a mettre numéro de téléphone moi là et puis dans le suivant, éviter contact. C'est cause n'a cause mesdames, nous quand écrit, il m'a fait moins pour nous pas. Puis il faut rigoler, on allez. On a cliqué sur code envoyé, OK, ça c'est numéro de téléphone moi, je vois un code sur lui. OK. Bueno, bon mon petit temps, bon font petit pause pour qu'ajouter un code là. Ça c'est code confirmation qui vous me dit nous. Le ouvre code là, qu'on y a, on va mettre le code là, là. Une fois qu'on mette le code là, on va pas confirmer que le numéro là le prêt, on a qu'à continuer à faire processus. Si qu'on paye le code confirmation, là, ou pas capable, ou chier. Est-ce qu'on comprend bien? Qu'on y a là, on va mettre un code, ok? On va mettre un code, et on sait le numéro de téléphone, on va utiliser pour plusieurs comptes. C'est ma compte. On sait le numéro de téléphone, on va utiliser pour plusieurs comptes. C'est pas un problème. Il suffit que l'on connecte, sans problème. Moi, je conseille le code PayPal, je conseille le numéro de téléphone, je connais sous 4 codes PayPal. Sous 4 codes PayPal. Moi, j'ai 4 codes PayPal, plus code PayPal, je crée plus d'amis, je crée, pour moi-même, je crée plus que 20 codes PayPal, qui va déranger. En tout cas, si je sais le numéro de téléphone, je crée un code PayPal. Vous comprenez? Je vais montrer nous, ok, je vais mettre code confirmation, et que PayPal lui-même livre, bah, moi, sur le numéro. Ok, c'est n'a suivre là, après ça c'est quand téléphone moi qui partage avec computer. Ok, n'a suivre là, ça c'est message que nous recevons, et ça c'est message et WhatsApp, notification, etc. Ok, n'a suivre là, après PayPal. Ok, et ça c'est code PayPal là, et qui vient de moi là, après, ok, nous bien 10 000 depuis qu'elle vient, d'accord? Ok, n'a pas un code PayPal là, n'a pas écrit là, et code PayPal là lui-même c'est 0422 529.
D'accord? 0-92-529. On allait 0-92-529. Notez puis quand on utilise compte ça sur panneau, on pas monter. Et dit, il faut que m'utilise la la li exfile. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps d'utiliser sur panneau, on pas monter. Nous continuons, nous avons besoin d'une adresse courriel électronique, c'est Gmail, nous avons parlé qui c'est telbaytelbay@commercialgmail.com. Par exemple, nous mettez microdesign@commercialgmail.com. Nous mettez nom, vrai nom, nom qui n'a pas passeport. Deuxième, nous mettez nom, signature, nous mettez signature là. Nous ne partageons pas avec nous, mais nous mettez signature. Par exemple, nous mettez Toto Pierre, n'a mette Pierre comme signature et puis n'a mette deuxième prénom qui c'est Toto. Non, on mette Toto, n'a mette là deuxième prénom et puis n'a mette Pierre là. Dans notre famille, n'a mette Pierre. Non, non, n'a mette Toto. Notre famille, n'a mette Pierre. Puis deuxième prénom, il faut que nous soyons dit, ou bien pas mettre un pour lui, c'est pas mon deuxième prénom. Par exemple, moi, je suis John Michael. Je mette John Michael. Je choisis mettre Michael là. Bien qu'à choisir mettre John et mettre notre famille là. Et pour que mot de passe, c'est ça qui est sensible. On continue. Bon, bon, fait pour nous comprendre bien. John, mettre Michael et mettre Pierre. Comme exemple. Pour nous bien comprendre. Mot de passe, on a mis. Mot de passe, ok, on a mis mot de passe. On met mot de passe. Mon passe là ou deux mettre dans l'air ou deux confirmer là encore. Mais mon passe ou mettre dans l'air ou deux confirmer. Pas oublier mon passe là pour battre pour pas oublier parce que le numéro de téléphone qui vous fait contre là n'est pas pour. On sait tous, surtout je suis en contact avec les amis, je suis habillé. Mon passe là, on a relé, demandé le numéro de téléphone. Par exemple, moi, je n'ai pas vu Haïti, je n'ai pas vu mon téléphone à Haïti, je fais mon cash sous lui. C'est pour mes amis, je fais mon cash sous lui. Ça que j'ai besoin d'utiliser, je contacte les amis. Mais si j'ai un problème quelconque, je contacte les GC. Est-ce que vous comprenez? On a fait suivant. Le film mettait cette information à 9h, on va pouvoir enregistrer son utilisation. Donc, vous mettez date de naissance qui n'est pas pour nous. Nationalité. On va mettre nationalité ou haïtienne, ok? Identification à choisir. Est-ce que c'est permis de conduire? Ce qui est permis de conduire, identification nationale, identification nationale, permis de conduire, numéro de passeport. On a choisi numéro de passeport. Numéro de passeport, on va mettre là. On va mettre par exemple, quelqu'un qui commence par PP-403 blablabla. Ça c'est numéro passeport, numéro qui n'est passeport là. Et vous mettez là. Et puis nous gagnons route autorité, vous mettez adresse là, vous mettez municipalité, vous mettez. Une fois que vous finissez remplir tout ça, vous mettez province là. Par exemple, province, vous mettez Saint-Marc. Si papa est là, vous mettez choisir n'importe province. Non, lieu côté choisir. Par exemple, si c'est États-Unis, tu prends. Ou mettre choisi n'importe province aux États-Unis. Mais si c'est République Dominicaine où tu choisis, tu as utilisé VPN. Par exemple, ça, les États-Unis, tu as choisi un pays. Par exemple, là, nous avons choisi nous-mêmes. Nous avons choisi États-Unis. Ok? Bon, moi, je vais équiper, nous avons choisi. Je vais choisir, nous avons choisi États-Unis. Si c'est États-Unis que tu choisis, par exemple, ok, nous avons choisi United States, qui c'est États-Unis. Si c'est États-Unis que tu choisis, si c'est États-Unis que vous toujours choisi, vous avez juste cliqué sur province et vous avez choisi une province aux États-Unis. Mais si c'est République Dominicaine, vous avez choisi un pays en République Dominicaine. Une province en République Dominicaine, donc pour Santiago, Duarte, Japon, ok, nous avons choisi un pilote toujours d'un coup. Allez, je ne peux pas être là parce que moi déjà dans le pays. Ok, Santiago, Guess, ok, nous, ouais. Après ça, on mettait code postal là. Code postal là qui j'ai dit. Par exemple, si ma fait plus de Michael, on dit code postal. Code postal côté mien. Moi, Santo Domingo. Code postal Santo Domingo. Ou bien si en espagnol, on dit Codigo Santo Domingo. Voilà. Codigo postal Santo Domingo. Ici, code. En anglais, il ouvre ça, zip code. Ok. Une fois que vous ouvrez, nous pouvons aller dans le code postal là. Si vous ne pas arrêter là. Ok. Nous pouvons montrer le code postal là. Moi, je vais le code postal en tête. Moi, je vais nous confirmer pour montrer le code postal. Ça, c'est le code
postal de Santo Domingo, ok? Comme postal me connaît, c'est 10 000. Côté mien actuellement, c'est 10 130, ok? 10 130. Ok. Je pour éviter que la vidéo ait trop de temps, je vais compter dans la tête. Moi, je vais faire un peu de temps. Par exemple, si je écrit postal Haïti. Par exemple, si je écrit code postal. Haïti. Et tu as une vidéo à la 25 minutes. Nous ne pouvons pas dire un peu de temps. Ok. Comme ça, je ne code pas dans la pour une fois que le code postal Haïti est un petit genre. La pas nous parler pour, d'accord? Ok? Nous avons Wikipédia là qui est déjà publié, comme pour ça là. Et si vous avez centré au concours là, et puis vous venez coller là. Moi, étant donné que c'est 10 130, moi, mettez 10 130 pour lui. Ok? On mettez, oui, nous mettez. On mettez Kadji. Ok? On mettez Kadji, Santiago, ok? Ok, voilà, nous mettez. National, professeur, municipalité à Santo Domingo, qui c'est ville côté Mia, c'est ville côté Mia, par exemple, si vous savez, vous mettez Saint-Marc, si vous pouvez mettre Port-au-Prince, ok? Adessa, lui-même, quoi le facultatif, et puis vous mettez comme poste dans l'axe 10 100. Et puis nous mettez date de naissance là, 16 09 1980 non 2000. Après, nous dit, nous acceptons. Gardez vos sessions actives pour effectuer des paiements plus tard, ou d'accord, et pour accepter et créer encore. Nous ne pouvons pas créer encore parce que nous n'avons pas besoin de compte paiement. C'était juste un exemple qui était fait pour nous être capable d'utiliser pour nous quand on va créer encore. C'est tout ça. Ok? Une fois qu'on change de VPN, vous pouvez créer compte normalement. Une fois que vous avez le numéro de téléphone, les amis, vous pouvez créer compte normalement. C'est le premier monde qui commente, qui fait plus belle commentaire. Notez ma plus commentaire. C'est le premier qui fait plus belle commentaire. Je vais créer un compte, il y a contacté normalement. Il y a un numéro que je vais mettre dans le premier commencement. Ou bien tout, je vais mettre le numéro à vous. Dès que je vais commenter à Belle, je vais pas indiquer écrit le numéro dans le bal. Depuis commenter à Belle, je vais pas indiquer écrit le numéro dans le bal. Et puis, je vais juste prendre le numéro à vous. Et puis, je vais aider à créer un compte par là, je vais prendre l'eau. Je vais prendre un kit de vieux sur ma chinoise. Ou bien, je vais prendre un petit téléphone. Je vais dire de A à Z quand vous avez compris par là. Nous t'abonnez. Si tu veux commenter, ne pas mettre numéro en bas de commentaire, nous connaissons les pas belles pour moi. D'accord? C'était un plaisir de t'aider nous. Et pas oublier, il y a 3 sites. Et donnez-moi une vidéo qui est en trop longue. J'ai 3 belles sites qui permettent de faire l'argent avec PayPal. Et l'offre pour ça, il y a un pas de monde. Qui ça, bad code, nous. Qui a avantage signé avec PayPal? Bah, je vais t'expliquer une vidéo qui est en 28 minutes. Bah, les pour dire trop de temps. Qui a avantage signé? Qui a des avantages? Comment on fait quoi avec PayPal? Comment on fait 100 dollars le mois avec PayPal, comment on fait 200 dollars, 300 dollars et même plus, comment on fait 1000 dollars chaque mois avec PayPal. Je vais vous montrer une deuxième vidéo tout de suite pour montrer nous. Il y a 3 websites qui payent normal, qui payent bien, que vous connaissez. Parmi nous, nous avons Dollboard. Dollboard qui paye très bien. Très bien. Yo, son site, nous avons dit, yo, c'est très bien. Nous touchons celui déjà. Moi, utilisé, c'est très bon site. Et puis, nous avons Music King, je vais mettre les liens dans la description pour nous, nous allons utiliser en attendant. Moi, je fais une vidéo sur Music King déjà, moi, je fais une vidéo sur Dollboard. Je fais une vidéo sur Dollboard, après ça, je vais faire une vidéo sur comment vous utilisez comme sur Dollboard. Et puis, je vais expliquer le Dollboard de A à Z, même si je ne peux pas parler là. Après, je vais faire une vidéo sur le 3e site qui me dit moi, qui a fait l'argent. Nous avons Music King, Dollboard qui me parle de déjà. L'autre site là, la venue comme surprise pour le premier monde qui est abonné, commenter, like et partager la vidéo. Ciao, on a pour une autre vidéo et puis, bye!